أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Nous continuons avec une nouvelle définition encore. Ya Allah, qui sont les croyants? Qui sont les vrais croyants? On a la réponse à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait, simplement en l'imitant, on va pouvoir atteindre, inshallah, cette dimension des vrais croyants. Parce que imiter avec nos actes nous amènera à comprendre par nos cœurs, inshallah, ya Rabbal Alameen. Mais cette fois-ci, on va revenir au Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Certes, dans le sens, certes, les seuls que l'on peut qualifier complètement de croyants, complets, sont ceux qui, lorsqu'est mentionné Allah, leur cœur tremble. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et lorsque leur sont récités les versets du Coran, leur foi augmente et le résultat de tout cela, c'est qu'ils s'en remettent à leur Seigneur. Le verset n'est pas fini, mais en 5 minutes, ça ne va pas être possible. On va juste se contenter de cela, inshallah ta'ala. إنما المؤمنون إنما signifie الحصر, l'exclusivité. Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire quelque chose de très important. Ne pense pas que tu pourras être un croyant s'il te manque les caractéristiques suivantes. إنما المؤمنون الذين إذا lorsque sans arrêt, ça vient souvent dans ta vie. ذكر الله lorsqu'Allah est mentionné. Soit qu'on te dit اتق الله, crains Allah Azza wa Jalla. Soit lorsque la parole coranique est récitée, que tu entends du Coran, Allah a été mentionné. Soit lorsque toi, tu vas toi-même dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, la perfection absolue appartient à Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, toutes les louanges lui reviennent par essence et en remerciement. Wa la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah Azza wa Jal, le seul sans associé. Wallahu akbar, Allah dépasse tout de façon essentielle et Allah dépasse tout dans l'application que je fais dans ma vie. Quand tu entends ça, ton cœur doit trembler. Le terme « wajilat » qui est utilisé en arabe, il est extraordinaire parce qu'en fait, il a deux sens opposés. « Wajilat » trembler, mais ça veut dire aussi « wajilat » se stabiliser. Et en fait, ce mot, ça c'est miracle coranique, subhanallah, Allahu Akbar. Et si vous ne comprenez pas l'arabe, je vous demande à Allah Azza wa Jalla de vous motiver à apprendre cette langue qui est magnifique, qui n'est pas simplement une langue, mais qui est la langue du Qur'an al-Karim et qui est la langue de ton din par lequel tu pourras t'envoler spirituellement. Ya Rabb al-Alamin. Je referme ma parenthèse. Wajilat, ça veut dire trembler et être stable. Pourquoi? Parce que tu es toujours partagé entre la peur et l'espoir. Et le tout sera enveloppé par l'amour. Qulubuhum, leur cœur, mais il faut avoir un cœur vivant. Mais si mon cœur est mort, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai rien du tout. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. Et lorsqu'on leur récite les versets, ici, alayhim. C'est pas simplement les versets sont récités, il est passé dans la rue, il l'a entendu, comme beaucoup aujourd'hui, malheureusement, ne vivent pas leur prière. Et même quand ils assistent à la prière du subh, du maghrib ou du isha, qui sont des prières jahriya à voix haute, ils ne pourront pas te dire ce que l'imam a récité. Parce qu'en fait, ils n'ont même pas été spectateurs. C'est comme si le Qur'an leur avait été imposé en récitation. Mais là, on parle « tuliyat alayhi ». Il leur a été récité et ça va directement dans leur cœur. Ayatuhu, zadatuhum imana. Regardez les cœurs purs. Ils entendent les versets d'Allah, la foi augmente. Soyons sérieux et soyons honnêtes. Il y a des musulmans et des musulmanes qui, lorsqu'ils entendent des versets d'Allah, Azza wa Jal, qui leur interdisent des choses qu'ils voulaient faire dans leur passion, leur foi n'augmente pas, mais leur foi baisse. Ils sont même prêts à trafiquer la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, pour pouvoir aller dans le sens que eux voulaient. Les véritables croyants sont ceux qui se soumettent et leur foi augmente. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Regarde la finalité. Si tu as tout ça, si tu as tout ça, cette relation forte avec le Qur'an, cette relation forte avec le dîn d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quel sera un des résultats? Ce sera
de savoir, de pouvoir, de conscientiser le fait de t'en remettre à Allah. Et si tu t'en remets à Allah, personne ne pourra te faire du mal, Akhil Karim. Wa maulana, c'est notre protecteur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois ce que ça amène? C'est pas simplement quelque chose d'intérieur, c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact dans ta vie, ta personne et ta famille. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder le tawfiq, la réussite, ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب